m'appelle Marie-Madeleine Gaudron, donc je suis formatrice au niveau de l'ASFOR. J'ai en charge, dans le cadre d'une des filières des employés administratifs et d'accueil, la formation qui concerne tous les écrits professionnels ainsi que les remises à niveau dans le cadre de l'orthographe, donc du français. Pour ce faire, l'ensemble des stagiaires disposaient précédemment de sièges qui malheureusement ne convenaient pas par rapport à leur pathologie, puisque toutes les stagiaires accueillies ont une problématique de santé. Donc pour ce faire, et grâce, je dirais, au partenariat de la MIF avec les financements d'AGFIP, toutes les stagiaires ont pu bénéficier de nouveaux fauteuils. Je travaille au sein de l'AMIF, Association Meusienne pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et j'y ai deux casquettes, donc je suis à la fois responsable pédagogique de formation sur l'aspect Cap Emploi et aussi chargée de mission RHR, ressources handicap formation au niveau de. C'est un dispositif AGFIP. C'est l'ASFOR et les stagiaires de la formation qui nous ont interpellés afin de mettre en place les ménagements nécessaires. Chaque fauteuil a été adapté, ça est vraiment personnalisé en fonction des pathologies. Remonter le siège ou le descendre. Donc là, moi, je suis au plus bas. Sinon, hop. Vous avez aussi une deuxième manette là pour le dossier. On peut le rabattre. Voilà, tout droit. Ou sinon, on peut le pencher en arrière. Et la troisième manette, c'est au niveau du dossier, de la tête. Voilà. Vous avez aussi les accoudoirs, donc on peut les reculer ou les avancer. Et là, avec le petit bouton là, on peut les descendre ou les remonter. Tout dépend au niveau du coude, niveau des coudes. Et on peut donc les faire pivoter à l'intérieur, tout droit ou à l'extérieur. On a fait appel non seulement à l'ergonome donc de la MIF, un fournisseur extérieur, les conseillères Cap Emploi ont participé, ainsi que les assistantes, moi sous mes deux casquettes, et bien évidemment l'équipe ASFOR qui nous a permis d'avancer. Avec les sièges qu'on a eu avant, ça a été très très compliqué de tenir 7 heures assises. Avec mes collègues, ça révélait beaucoup beaucoup de douleurs. Et grâce donc à nos sièges personnalisés, on a pu continuer la formation. Et donc on a eu la chance donc de pouvoir les reprendre à la maison. Et quand on aura un travail, on pourra les prendre aussi. C'est une très grosse opportunité. On remercie vraiment tout le monde de nous avoir offert ce fauteuil. L'intérêt du siège, c'est non seulement de pouvoir suivre la formation dans les situations idéales, mais c'est aussi de garder avec elle pour non seulement soit retourner vers la formation ou alors pour une reprise vers un emploi. Moi personnellement, et je pense que mes collègues aussi, on n'aurait pas pu continuer dans ces conditions la formation.